Le célèbre site de discussion Reddit a connu une vaste panne mercredi, affectant de nombreux utilisateurs. Selon le site de surveillance Dawn-Dector, les signalements de problèmes ont culminé juste avant 16h, heure de l'Est, le 28 août, avec plus de 76 000 rapports d'erreurs. Les utilisateurs ont été confrontés à des messages tels que « Nous avons rencontré une erreur. Veuillez réessayer plus tard » et « Nous n'avons pas pu charger le contenu de cette page. » Les applications Reddit ont également été touchées par ces dysfonctionnements. À 16h16, un message sur la page de statut de Reddit mentionnait une « dégradation des performances », indiquant que l'équipe était en train d'enquêter sur le problème. À 16h32, une mise à jour a précisé que le problème avait été identifié et qu'une solution était en cours de déploiement. Reddit a déjà rencontré des problèmes techniques par le passé, notamment une panne majeure en août de l'année précédente et une autre de 5 heures en mars 2023. L'année 2023 a été marquante pour Reddit, qui a lancé son introduction en bourse en mars, levant 519 millions de dollars. La société, souvent considérée comme « la première page de l'Internet », a déclaré un chiffre d'affaires de 804 millions de dollars pour 2023, soit une augmentation de 21% par rapport à l'année précédente, malgré une perte nette de 90,8 millions de dollars. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens uniques a augmenté de 51% sur un an pour atteindre 91,2 millions.